Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo est hors du commun. Nous avons l'habitude de recevoir des témoignages, des révélations ici chez Sobol. Mais quand c'est filmé, regardez à quoi ça ressemble! C'est hors du commun. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Regardez, ils ont attrapé le serpent du sorcier. Est-ce que vous voyez ça? J'ai découvert ça hier. Je me suis dit qu'il faut que je partage cela avec vous. Il y a d'autres vidéos encore qui arrivent. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche. Et chaque jour, vous allez découvrir de nouvelles choses sur Nang's Reborn. Et oui. Mais regardez! Regardez, les gens sont là. Regardez. Le monsieur, il est arrêté juste au milieu là. Apparemment, c'est un homme mystique. Mais quel est le problème avec lui? En fait, les gens ont appris que à cet endroit de la route, il y a trop d'accidents. Voici comment ils ont appelé un homme mystique pour venir jeter un coup d'œil sur ce qui se passe là. Parce que c'était étrange. Vraiment trop étrange. Comme ce que nous allons découvrir au travers de ce témoignage. Maintenant, écoutons. Le serpent bois que vous voyez ici là, c'est le serpent d'un grand-père dans ce village que vous voyez. C'est-à-dire, il s'en va installer son serpent bois sur le goudron, donc en bas du goudron, là où la route passe. Et il passe le temps à renverser les choses, les voitures. Il peut renverser un camion de bière devant chez lui. Les gens, le village porte, lui-même il porte, ses enfants pareil. Quand il s'est ravita bien jusqu'à ce que ça finisse, il peut encore renverser même un camion de riz. Quand il se ravita bien, après quelques temps, il peut encore renverser même un camion de savon. Donc il passe son temps à renverser les bonnes choses. Mais, sauf que Dieu, quand on dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron, oui. Il a fait l'erreur où il dormait, où il était sous, il a renversé un gros porteur. Et les gens sont morts à l'intérieur. Et les sorciers du village, comme vous les voyez ici, ils se sont immobilisés et dit qu'il faut que ça s'arrête. Donc ils ont fait une réunion. Ça, c'est les grosses têtes, les colons du village, même ceux qui gardent le village. Et ils sont allés casser le goudron. Ils ont fait sortir le serpent bois du grand-père, là, comme vous voyez ici. Comme vous voyez là. Je dis, c'est très grave. En Afrique, tout est possible. C'est-à-dire que quelqu'un s'en va installer le serpent bois sur le goudron pour faire renverser les voitures. Ouais. Mais sauf que quand on a relevé le serpent, ils vont donc amener le serpent au centre du village même. Et on va appeler le grand-père là. Il va venir là-bas expliquer. Il va tout raconter. Parce que si on tue ce serpent-là, il va mourir. Donc il est obligé de tout avouer et de payer cher pour qu'on lui remette ce serpent. Parce que c'est ça son totem. Si vous voulez voir la suite de cette vidéo-là, là où le monsieur là va raconter toutes ces histoires-là, dites-moi en commentaire. C'est très grave. Franchement, faites attention à vous en Afrique, parce que l'Afrique là vraiment, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Quand vous entendez des accidents tous les jours là, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Et ce n'est pas la première personne, mais plusieurs fois. On a eu à prendre des serpents en Afrique toujours comme ça. Qui passe le temps à renverser des choses. Oui. Le serpent bois que vous voyez ici là. Waouh. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu cela? C'est hors du commun. Donc lui, il est venu enterrer le serpent là, juste ici, sous le goudron, la nuit, pendant que tout le monde dormait. Maintenant que le serpent est enterré sous le goudron ici, lui, à distance, il pourrait faire des pratiques mystiques, des incantations. Et à partir de là, il pourrait faire tomber tous les véhicules qui passent. Et en particulier, les véhicules qu'il cible. Les véhicules ciblés, surtout les véhicules qui transportent de la nourriture, qui transportent de la bière et tout ça. Et quand ça se passe ici, comme il a dit,
Les gens du village, regardez, tous ces gens du village, eux, bon, ils venaient aussi se servir. Ils venaient ramasser, prendre le casier de bière, chacun boire. Et ils se ravitaillent en amour. Et le vieux aussi en fait partie. Mais sauf qu'à un moment donné, le vieux avait tombé un gros camion. Et cette fois-là, il y a eu des morts. C'est à cause de ça là. Les gens disent trop, c'est trop. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont appelé l'homme mystique qui est là, au milieu là. Vous voyez? Et ils l'ont appelé. Maintenant, quand cet homme mystique est venu, il a fait des invocations, des incantations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le serpent en question là, le serpent qui est ici, ils l'ont déterré, ils l'ont localisé d'abord. Ils ont vu sa position sous le goudron et ils l'ont fait sortir avec le fétiche qui est là. Regardez comment le fétiche est. Maintenant, le serpent est sorti. Les gens veulent tuer le serpent. Mais, s'ils tuent le serpent aussi, le propriétaire de ce serpent va mourir parce que son esprit se trouve dans le serpent. Voilà, son esprit se trouve dans le serpent. Alors là, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est là les gens appellent le vieux pour lui dire qu'écoute, tu sais ce que c'est. Tu ferais mieux de te confesser maintenant parce que nous, on ne se prépare à tuer les serpents. Et toi-même, tu es au courant que si on tue les serpents, tu mourras. Tu mourras. J'avais l'habitude d'entendre de telles choses sur Yann Reborn ici au travers des témoignages. Mais je ne savais pas que c'était réel, c'est une chose. Genre, quelqu'un rentre dans la sorcellerie. Et il a le pouvoir de se transformer en serpent. Ou bien, on lui a donné un serpent. On lui dit que ce serpent-là va t'aider. Et il lui prend ce serpent-là pour se balader avec. Pour essayer de se faire dans un endroit stratégique. Juste pour pouvoir faire du mal aux gens. C'est ce que les gens appelaient totem. Donc, ça dit que le vieux, là, lui, son totem, là, il serait du genre, lui ne peut pas manger le serpent. Il a interdit de manger le serpent parce que lui-même, son gardien, son démon protecteur, là, à la forme du serpent. Voilà. C'est la forme du serpent. Et les gens sont comme ça. Certaines personnes sont comme ça. Ah! Moi, je croyais que les choses se passaient juste seulement en esprit. Juste seulement du genre en esprit. On va dire que, oh, quelqu'un va aller dans la société, la nuit se transforme en telle chose. Et vu que ça se limitait à ça, mais je ne savais pas qu'il y avait une représentation réelle et vivante des créatures comme que la société utilise de se transformer la nuit juste comme ça. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ça veut dire que vraiment, vraiment, nous devons faire attention. Il y a beaucoup de choses mauvaises dans ce monde. Le diable est vraiment descendu. Ce qu'on nous dit dans la Bible, que le diable est passé par le serpent pour tromper Ève. Si vous pensez que c'est faux, maintenant croyez. Si vous pensez que c'est faux, maintenant croyez où? Ce n'est plus que la blague. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On dit tuer le serpent. Parce que si tu le serpent aussi, comme je vous l'ai dit, le vieux va mourir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? On dit que le vieux, ce vieux doit payer pour toutes les personnes qui ont été attristées par tous ces dégâts. Regardez ce monde. Regardez ça. Et c'est ça l'Afrique aujourd'hui. C'est ça l'Afrique. Tu construis ton entreprise,
tu achètes des camions, tu fais transporter tes marchandises et eux ils mettent un serpent sous le bouton pour faire tomber tout ça, pour venir se servir. Une perte pour l'entreprise. Vous voyez? Ça veut dire que leur sorcellerie là n'est que là pour détruire. Leur sorcellerie là ne va jamais aider quelqu'un. Ça sera là juste pour détruire, faire du mal. Tout ce qui est mauvais, mauvais, vilain, vilain, c'est dans ça ils seront. Donc quand vous dites souvent, ah pourquoi vous les Africains, vous ne pouvez pas utiliser votre sorcellerie pour développer l'Afrique. Non, ne vous y trompez même pas. Ils ne pourront même pas le faire. Ils ne le feront jamais. Ne serons que là à empêcher les enfants de Dieu de prospérer sur la terre. Ils ne serons que là pour bloquer la vie des gens. Ils ne serons que là pour détruire. Et il rit. Et il rit. Quand il détruit la vie des gens, ça les fait rire. Et le vieux là, quand il fait ce genre de choses là, il est où? Il est à distance. Il n'est pas sur le goudron pendant que tous ces événements se passent. Il est à distance. Il fait des incantations. Et il y a un accident sur la route. Après, il veut se mélanger aux gens qui sont là pour venir se ravitailler aussi. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'à distance, hein, lui peut faire tout pareil. À distance. Ha! En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, j'entendais cela dans les témoignages ici, dans les révélations qu'on reçoit chaque jour, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, je sais. Oui, aujourd'hui, nous savons. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos j'aime et de soutenir la chaîne. Regardez la vidéo qui suit pour en savoir plus. C'est parti. Waouh! C'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à tous les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre part. Soyez prêts!